والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الآن نذكر الفروض، لأنه كما قلنا في كيفية تقسيم التركة ينظر من هو محجوب، من الذي يرث، ثم ننظر نقول من هؤلاء الورثة من الذي له فرض والباقي لأقرب العصابات. Alors, on va commencer maintenant à dire ceux qui ont un part défini dans le Sharia, dans le Coran al-Karim. Parce que lorsqu'on veut partager un héritage, on regarde ceux qui méritent, ceux qui ont le droit à l'héritage, ceux qui sont privés. Après, on regarde ceux qui ont le droit à l'héritage et qui ont un part, c'est ce qu'on dit al-fard al-furud, on leur donne leur part, le reste c'est pour les plus proches parmi al-asabat les dhakar mithlu hadd al-unthayayn. قال القاضي ابو شجاع والفروض المقدره في كتاب الله تعالى سته النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فيك تقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه. Alors les parts définies dans le livre de Dieu Azza wa Jal, dans le Coran Karim, sont six. Hein? Les parts définies dans le livre de Dieu Azza wa Jal sont six. La moitié, al-nusf, wal-rub' wal-thumun. Alors la moitié, le quart, le un-huitième. Et tu peux dire comme ça, la moitié et sa moitié et la moitié de la moitié. Nusuf, rubu' thumun. Et après, le deux tiers, le tiers et le un sixième. Le deux tiers, le tiers et le un sixième. Et encore, les deux tiers et sa moitié et la moitié de la moitié. Tu peux dire comme ça. Voilà, c'est... C'est ça les parts. Al-rub'u wa nisfuhu, al-thumu al-nusfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi, wa thuluthan wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Al-nusfu wa al-rub'u wa al-thumun wa thuluthani wa thuluth wa sudus. Fal-nusfu fardu khamsa. Alors la moitié à qui? C'est pour cinq. La moitié c'est pour cinq. Al-nusfu fardu khamsa. Al-bint, la fille du défunt, al-bint, yani, voilà, il y a quelqu'un qui est mort, sa fille, la fille. Wa bintu libni, la fille du fils, yani, tu vois, il n'y a pas la fille, il y a la fille du fils. Parce que s'il y en a le deux, c'est autre chose. Maintenant, on dit la fille de fils, mais il ne faut pas dire la fille prend la moitié et la fille de fils elle prend la moitié s'ils sont les deux en même temps, non. C'est elle est toute seule, la fille du fils. Wal-ukhtu min al-abi wal-um, la sœur consanguin du côté père et mère, la sœur du côté père et mère. Seulement, je veux... Parce que pour l'instant, je ne vous ai pas dit ceux qui sont privés en détail. Hein. J'ai donné peut-être comme un exemple. Alors, on a dit, pour cinq, la fille du fils, la sœur du côté père et mère, la sœur du côté père. والزوج إذا لم يكن معه ولد. L'époux, s'il n'a pas des enfants avec lui. L'époux, il prend la moitié.
son épouse, elle est morte, elle n'a pas laissé d'enfant. Il prend la moitié. S'il a laissé d'enfant, tu vois, fille, fils, alors il ne prend pas la moitié, il prend le quart. Alors, les cinq là, la fille de fils, la sœur Germain, la sœur consanguin, la sœur Germain et l'époux s'il n'y a pas avec lui d'enfant. D'enfant, c'est tout, imagine toujours par rapport à celui qui est mort. Faizan al-bintu idhan faradat. Je reviens maintenant à l'explication. La fille, si elle est seule. Et Allah a dit وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النُّصْفِ. Donc, une fille bintain, si elle a deux filles, ça va venir après, ils ont le deux tiers. S'il y a deux filles, mais ça va venir ça. Mais s'il y a une seule fille, il n'y a pas des frères, il n'y a pas des sœurs, il y a une fille. Alors elle a la moitié de l'héritage. كذلك بنت الابن اذا انفردت. Cet homme qui est mort, elle, il a que la fille du fils. Elle a la petite fille, comme tu dis, la fille du fils, toute seule. Alors elle a la moitié. كذلك الاخت من الاب والام اذا انفردت. Si il est mort, et il y a la sœur consanguin du côté père et mère, toute seule. Alors il a la moitié. لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك. C'est mort, elle a une sœur, alors elle prend la moitié de ce qu'elle a laissé, de ce qu'il a laissé. والأخت من الأب عند عدم الأخت من الأب والأم. Parce que tu vois, la sœur Germain, elle hérite si il n'y a pas une sœur consanguin. إذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأب والأم. Et à la fin, on a dit l'époux. إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. يعني son épouse est morte. Son épouse est morte. Et elle n'a pas laissé ni d'enfants, ni les fils d'enfants. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Vous auriez la moitié de l'héritage de votre épouse si elle n'a pas laissé d'enfant. يعني معناه ليس لها ولد ولا ولد ابن. Elle n'a pas un enfant et elle n'a pas le fils de l'enfant. Elle n'a pas l'enfant du fils. Elle n'a pas l'enfant du fils. Alors voilà, je répète, à qui on donne la moitié? La fille, toute seule. La fille du fils, toute seule. La sœur Germain, la sœur consanguin, après la sœur Germain, après l'épouse, après l'époux, s'il n'a pas avec lui d'enfant, voilà, il n'a pas d'enfant avec de son épouse. Oui. Et Akid. Alors, Germain, elle a dit Yasser, Aladumto. Germain, c'est-à-dire côté, ce qu'on dit frère Germain, c'est-à-dire du côté père et mère. Consanguin, c'est-à-dire c'est le frère du côté père. Parce que moi, j'ai renversé ça depuis quelques leçons. Alors, on corrige. Et utérin, c'est-à-dire du côté mère. Arrouba. Maintenant, à qui on donne le quart? Qui prend le quart de l'héritage? Arrouba. Fardou thnein, c'est pour deux. Deux qui ont la part. Azzawj ma'al walad ou walad l'ibn. L'époux, en ayant des enfants pour son épouse, ou en ayant des enfants de son fils,
toujours en parlant de celle qui est morte, là, l'épouse. الزوج مع الولد أو ولد الابن. L'époux prend le quart si elle a son épouse, elle a d'enfants ou il a l'enfant de son fils. Il a l'enfant de son fils. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. Si votre épouse a des enfants, alors vous auriez, c'est-à-dire le mari, l'époux, il a le quart. Et والثاني الربع للزوج إن كان معه ولد والزوجة لها الربع إن لم يكن معها ولد. L'épouse, encore la deuxième personne qui a le quart, c'est l'épouse. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant pour son époux. Son époux est mort, elle n'a pas d'enfant. L'épouse, elle a le quart. Zawjha mat, ma ando aulad. La aulad, wala aulad ibn. Il n'a pas d'enfant, ni garçon, ni fille, ni n'a pas d'enfant de son fils. Il n'y a pas d'enfant de fils. Alors, l'épouse prend le quart. Alors, le quart pour deux. Al-Rub. Kif? Eh, taban, naam. Yani, huwa, iza kan lahu walad, walau min zawja qabilha, ma shart minha. Walad, indahu walad, aw walad ibn. ولما نقول نحن بالأصل باللغة العربية بتقول زوج للزوجة تسميها زوج جاء زوجك جاءت زاءت جاءت زوجك فبتسمي الزوجة زوج فصيح جميل لكن بالميراث منقول زوجة وزوج حتى ما نضيع dans la langue arabe on aime l'épouse زوج إذا جاءت زوج الرجل. Tu vois, dans la langue arabe, c'est littéraire de dire ça. Mais lorsqu'on parle de l'héritage, on dit « zaoujah » avec le « ta » pour distinguer entre l'époux et l'épouse. On distingue. C'est une question de grammaire arabe, là. عرفتو بال حتى نفرق فنقول زوجة وزوج. أما بغير هيك قول جاءت زوجك. On dit pour un homme, j'a zaujuka, ay zaujatuka, bimshi l'hal, zauj. Al-thumun, fardu zaujati ma' al-walad, awalad al-ibn. Alors le 1/8, tu dis tout de suite, 1/8, c'est pour l'épouse lorsqu'il y a l'enfant ou il y a l'enfant du fils. Izan al-thumun, fardu zaujati. والزوجات كمان يعني c'est le 1/8 c'est pour l'épouse ou les épouses avec l'enfant ou l'enfant du fils. رجل مات له زوجة وأولاد له زوجة هو له زوجة وأولاد عنده أولاد ولا منها أو من غيرها إلى avec elle ou de quelqu'un il a d'enfants ou il a deux fils il a voilà alors elle prend le 1/8. قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. Si vous avez d'enfants, elle là le 1/8, l'épouse est là le 1/8. فإذا على طول الزوجة مع الولد الثمن من دون ولد الربع. L'épouse, c'est très facile à dire à son sujet, encore l'époux, hein? Encore l'époux, deux fois, le double d'elle. Là où elle prend, elle le quart sans enfant, lui, il prend la moitié sans enfant. Là où elle prend le 1/8 avec l'enfant, lui, il prend un quart avec l'enfant. يعني شو الربع للزوجة من دون ولد مع الولد الثمن هو النصف إن لم يكن لها ولد والربع إن كان لها ولد. فبيطلع ضعفها بالمسألتين. Alors, jusqu'à maintenant, on a cité la moitié et le quart, le 1/8. Le quart, la moitié pour 5. Al-ibn wa bintu al-ibn wa al-ukhtu al-shaqiqa wa al-ukhtu min al-abi wa al-zawj. La moitié, c'est pour la fille toute seule, la fille du fils, la sœur germain, la sœur consanguin et l'époux. Après, on a dit
le quart, c'est pour deux. Pour l'époux, si son épouse est là d'enfant ou l'enfant de fils, et elle, l'épouse est là le un quart, si lui n'a pas d'enfant ni l'enfant de fils. Et le 1/8, c'est pour une seule, c'est l'épouse avec l'enfant. Avec l'enfant, son mari, il a d'enfant, il a l'enfant de fils, voilà. Allah harru, on va aller maintenant pour les deux tiers et la tiers et la moitié. C'est comme ça qu'on partage un héritage. Qui est privé tout d'abord, qui est privé de l'héritage, tu l'enlèves. Qui a une part, tu lui donnes. Le reste, après que tu donnes le part, le reste, c'est le plus proche parmi les plus proches parmi les asaba, c'est-à-dire ceux qui donnent à la mort sans intermédiaire. As-sulusan fardu arba'a. À qui on donne les deux tiers? Pour quatre. Lil bintain, celui qui est mort, il a laissé deux filles, n'a pas de garçon, il a laissé deux filles, alors ils ont les deux tiers. Wali bintayl ibn, c'est-à-dire il est mort, il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il a laissé deux filles de fils, deux filles d'un fils. Alors il prend les deux tiers. للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طبعا في حديث بهذا الموضوع بس خلينا هلا. Voilà, les deux filles deux tiers, les deux filles du fils deux tiers. بس مش انه deux filles موجودين ou deux filles d'un fils ils prennent encore. Non, c'est pas comme ça. Deux filles ils prennent les deux tiers après. Les deux fils, les deux filles là-bas, ils n'ont plus maintenant. S'il y a une fille, et puis après il y a la fille d'un fils, oui, elle prend. Celle-là, elle prend la moitié, l'autre, elle prend le 1/6, mais ça va venir. Ça va venir. Maintenant, notez bien que deux filles prennent le deux tiers. Deux filles d'un fils prennent le deux tiers. Très beau, quand même. On dit deux. Si c'était quatre filles, si c'était 16 filles, quelqu'un, il est mort, il a laissé 16 filles. تعرف لما واحد بيترك بنات ما بيتكلف كتير lorsque la personne laisse des filles il ne paye pas trop parce que souvent c'est les maris viennent ils payent des dots ou kada ou... mais s'il laisse des enfants tout souvent il va pour les garçons il va trop faire pour aider les enfants à se marier. Les 16 filles elles prennent combien? Deux tiers. Deux filles, elles prennent le deux tiers, et 16 filles, elles prennent deux tiers. Deux filles d'un fils prennent deux tiers, et 8 encore prennent deux tiers. Une épouse, elle prend le 1/8, et trois épouses prennent 1/8. Zubair ibn al-Awwam, tarak chez Mahrez. Taï. ماشي. والأختين من الأب والأم. Nous, on a dit le deux tiers, c'est pour quatre. Encore, c'est simple à apprendre. Pour les deux filles et plus, pour les deux filles d'un fils et plus, pour les deux sœurs germains et plus, pour les deux sœurs consanguins et plus. Et donc, الأختين من الأب والأم فما فوق والأختين من الأب يعني عندم عدم. Lorsque tu dis deux sœurs consanguins, c'est-à-dire s'ils ne sont pas là, les deux sœurs Germain. شوف قال جابر اشتكيت وعندي سبع اخوات. جابر est tombé malade en ayant sept sœurs. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اصنع بمالي وليس من يرثني الا كلاله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد انزل الله في اخواتك فبين وجعل لهن الثلثين. Alors il a dit qui mérite. Et Kalala, Kalala, ça vient de Daf. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas un héritier garçon qui peut prendre le tout. Parce que c'est les filles. Alors,
Alors, une ayah a été révélée à ce sujet et que Allah Ta'ala a dit, ils ont le deux tiers. فقال جابر في نزلت آية الكلالة فإذا اثنان فما فوق. مين اللي كان أبو مرة حكينا حكايته قصته أبو محمد من أهل مكة وواحد خراساني ضيع كيس فيه 3000 دينار ذهب، 3000 دينار ذهب، وبالأخير هداك كان أبو قال له بيع البيت تروح بالحج وهيدا بتعطيه لأكثر لمن أولى الفقراء وكذا، فمن خراسان إلى البيت الحرام ما لقى أكثر واحد بحاجة من هذا، بل قبل ما قبل يعطيه دينار، avant il n'a pas accepté de donner un dinar à celui qui a trouvé le sac. Et celui qui l'a trouvé, Abu Muhammad, tu vois, il était très pauvre. Il y avait avec lui la mère, l'épouse et 7 filles. Tu vois, ou 6. En réalité, il y avait 8 femmes à sa charge, et 6 filles, et sa mère et son épouse, et lui, voilà. Et l'autre a dit, j'ai été depuis Khorasan jusqu'à j'ai pas trouvé une personne qui mérite plus que toi cet argent, il lui a donné le 3000. Alors lui, il a partagé un dinar à chaque fille, la sœur, il y a les sœurs, j'ai oublié, les sœurs, les filles, la mère et l'épouse. والثلث فرض اثنان، فرض الأم إذا لم تحجب. بدنا نحاول نخلص قبل ما نصلي المغرب. Encore, je prends 5-10 minutes et puis on fait la prière de المغرب. الثلث, le tiers, c'est pour 2 personnes. فرض الأم إذا لم تحجب. Alors la mère, elle prend le 1/8 s'il n'est pas privé, une privation de diminution. Le tiers, de quoi? Parmi? 1/8, là le tiers. La mère prend le 1/3 s'il n'est pas privé une privation de diminution, parce que ça peut aller à 1/6. Mais là, elle prend 1/3 s'il n'a pas été privé de diminution. إذا لم تحجب. الأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات. C'est-à-dire, la mère prend le 1/3 s'il n'est pas pour le défunt des enfants, s'il n'a pas des enfants d'un fils, s'il n'a pas des frères ou des sœurs. S'il a des frères, il a des sœurs, il a l'enfant, des enfants ou il a les enfants de fils, alors elle ne prend pas le 1/3, elle prend le 1/6. سواء كان الإخوة من الأب أو من الأبوين أو من الأم. Lorsqu'on a dit frères et sœurs là, il y a des frères, il y a des sœurs, du côté père et mère, ou du côté père, ou du côté mère. Il y a des frères, dans sa généralité, la mère prend le 1/6. Le défunt, s'il a des frères du côté père et mère, ou du côté père, ou du côté mère, la mère prend le 1/6. إذا كان هذا الميت له ولد أو هذا الميت له ولد ابن أو له إخوة من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فهذا هذه الأم إذا كان هؤلاء موجود واحد من هؤلاء الأربعة لها السدس بدل الثلث، حيجي من له السدس، لذلك قلنا الثلث إن لم تحجب، مين بيحجبها حجبة نقصان؟ الولد أو ولد الابن أو الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب أو من الأم. هلا احيانا الام لها الثلث ما بقي. Des fois on dit la mère elle a le tiers de ce qui reste. Là on a dit le tiers de l'héritage, mais des fois on dit elle aura le tiers de ce qui reste, par exemple dans 2 questions. بمسألتين. زوج وابوان. Il y a quelqu'un qui est mort, alors il y a un époux. Et il y a pour cette femme qui est décédée le père et la mère. Azouj, elle prend quoi? La moitié, parce qu'il n'y a pas de fils, il n'y a pas d'enfant. Et alors, il prend la moitié. Wal-um, lil-um, thuluth al-baqi wa huwa as-sudus. Alors, la mère reste, elle prend le tiers de ce qui reste. Wal-baqi lil-ab wa huwa as-sudus.
Et le reste, c'est pour le père qui est la moitié de l'héritage. Elle, elle prend la moitié de ce qui reste et le père, il prend le tiers. Là, ça, c'est, il faut l'écrire à part dans ça. Alors, la deuxième question, une épouse et le père et la mère. Alors, la, l'épouse a le quart. L'épouse, il n'y a pas d'enfant, elle a le quart. La, pour la mère, elle a le tiers de ce qui reste, c'est le quart. والباقي للأب. لأنه شارك الأبوين صاحب الفرض فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض وهذا هو المذهب voilà il y a des voilà on laisse avec ça. Alors, alors l'épouse elle prend le quart, la mère prend le tiers de ce qui reste, par la suite le reste pour le père. طيب maintenant والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيهم سواء. نحن قلنا tout d'abord on a dit le tiers, c'est pour la mère. Le tiers, c'est pour la mère s'il n'est pas privé, une privation de diminution. Encore, qui prend le tiers? Encore, il a dit les deux et plus, les deux et plus de parmi les frères et les sœurs du côté mère. Du côté, yani, les deux frères et plus, deux sœurs et plus du côté mère. Et comment on partage? Zukuruhum mislu inathihim. Zukuruhum mislu inathihim. C'est-à-dire, supposons, il y a deux frères, deux sœurs du côté mère. Il y a quatre. Alors on a dit, ils prennent le tiers. On partage avec égalité. On partage avec zukuruhum mislu inathihim. Les frères et les sœurs du côté mère prennent le tiers. Et on partage ce tiers entre les deux et plus, là, et le garçon comme la fille. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. Alors, lorsqu'on dit شركاء, sont associés dans le tiers, c'est-à-dire avec égalité. بهذا انتهى الأمر الثلث الثلث pour deux la mère s'il n'est pas dans, privé par diminution et les deux frères et plus et, ou deux sœurs et plus du côté mère السدس فرض سبعة à qui le un sixième je dis voilà c'est la dernière question et on va faire la prière de le Maghrib et peut-être je dis seulement, vous notez, puis après on laisse l'explication pour après. وَالسُّدُسْ فَرْضُ سَبْعَ Alors le 1 sixième pour 7, c'est le part de 7. لِلْأُمْ مَعَ الْوَلَدْ أَوْ وَلَدْ الْأَبْنِ La mère avec l'enfant ou l'enfant du fils. كُنَّا قُلْنَا إِلَى الثُّلُسْ Au début on a dit, elle a le 1 sixième s'il n'y a pas de privation. Le 1 tiers, on a dit, elle a le 1 tiers, je rajoute l'un 1 sixième. Elle a le un tiers s'il n'y a pas d'enfant, ni l'enfant de fils. Maintenant, avec l'enfant ou l'enfant du fils, elle a le un sixième. وَالْإِثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْإِثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ Alors, les deux et plus... Les deux et plus parmi les sœurs et les frères et les sœurs. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَ السُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَوَيْزًا لِلْأُمْ مَعَ الْوَلَدْ أَوْ وَلَدَ الْأَبْنِ كُلُّ مَوْصُولٌ مَعَ بَعْضُ Ça c'est lié à la première question. Il a le 1 sixième avec l'enfant ou l'enfant du fils ou avec les deux frères ou les sœurs du côté mère. Avec ça, toujours elle a le 1 sixième. S'il y a deux frères du côté mère, deux sœurs du côté mère, ou il y a un enfant, ou il y a l'enfant du fils, la mère, elle a le 1 sixième. On est toujours dans la première. Le 1 sixième, c'est pour qui? Pour la grand-mère,
s'il n'y a pas la mère, la grand-mère, s'il n'y a pas la mère. S'il y a la mère, la grand-mère n'hérite pas. J'ai déjà dit, là, il y a la fille, elle prend la moitié. Alors la fille du fils, elle prend le 1/6, comme ça elle complète les deux, le 2/3. La fille du fils avec la fille. La fille du fils, elle a le 1/6. La fille du fils avec la fille du défunt, elle aura le 1/6. Si on calcule 1/6 avec la moitié, c'est le 2/3. تقولوا له هيك لها السدس تكملة الثلثان النصف مع السدس الثلثان. طيب on fait la prière puis après on complète comme ça on faut le pas retarder le maghrib. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.